Clean Airways est un concept de désinfection traçable révolutionnaire. La mise en place est très simple. Téléchargez l'application Clean Airways et scannez le QR code de la bouteille et de la pièce. Puis, pulvérisez la solution sur la surface à traiter. Lors de leur venue, vos clients pourront scanner le QR code de la pièce afin de connaître la date et l'heure de la dernière désinfection. Notre gamme de produits est composée de sprays de surface pour traiter les zones de contact ou des aérosols auto-percutants pour assainir l'air et les surfaces en 15 minutes. L'efficacité des produits Clean Airways a été testée et validée par des laboratoires spécialisés. Nos produits sont des fongicides actifs contre les bactéries et les virus. Ils sont classés dans la norme EN14476. Hi, my name is Charlie Sherlock. I'm the CEO of IMA Data Limited. We provide the technology behind the CleanAirWith solution. Each and every single can or bottle of the solution carries a unique QR code, which is then scanned in by the hotel as they're cleaning the room to give you, the customer, the confidence that the room has been sanitized correctly before your arrival. This technology is stored in the blockchain, which means that it can't be altered, it can't be changed, which provides complete transparency for you as a customer when you come to the hotel, that you know that the procedures have been followed correctly and that your room is fully sanitized and all the areas are sanitized before you come into the hotel. Hi, I'm Pat Roach. I'm the CEO of CleanAirWith International. And I'm here to work with Christoph Jolie and Noran, a new age company, and congratulate them on the fantastic work that they are doing in France with our company, CleanAirWith International. Remerciements au Château de Artigny de nous avoir accueillis pour présenter notre nouvelle solution désinfection, CleanAirWith. Collez le label de qualité CleanAirWith à l'entrée de votre établissement afin d'informer vos clients qu'un protocole de nettoyage exigeant a été mise en place.